our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Coucou. On est mercredi 9, on va chez, on va pour chercher le reste des courses de la semaine là. On va prendre la viande hachée pour le menu de la semaine et les merguez. Ouais. Donc voilà, franchement, aujourd'hui il fait pas beau. C'est la tempête là. Non, mais c'est pas qu'il fait pas. Enfin, pourquoi il fait froid? Il n'y a pas de souci, mais là. Là il fait bon, ça va, mais il pleut trop. C'est même pas froid, mais c'est la pluie. Et ça s'arrête pas. Ouais, toute la journée, depuis cette nuit. Ouais. Mais nous on est dans la vigilance quand même par rapport à la tempête. Ah ouais? Après, on est sur la fin, nous. Hein. Il y en a, ils vont être touchés. Non. À voir ce que ça donne. Ouais, donc voilà, du coup, là, on va juste aller chercher. On n'a pas pour longtemps, vraiment, parce qu'après, comme on est mercredi, il n'y a pas d'école l'après-midi, les enfants, ils rentrent manger à la maison. Bah, les Naya, parce que les grands, déjà, ils mangent déjà à la maison. Donc voilà, les amis, du coup, on vous embarque avec nous pour ce petit vlog de la journée. Déjà, je vais prendre. Je vais faire mon jus de détox, c'est la base de concombre. Ils sont à 1 euro pièce, les concombres, voilà. Ils sont gros. Voilà, j'ai jamais entendu prendre pour faire des jus de c'est bon. Jus de pomme. Ouais, c'est bon. C'est bien gros en plus, ça. Ouais. Et même les pommes vertes, là, aussi. Il faut du citron. Mais là, le citron, j'en ai déjà à la maison, mais j'aimerais bien du citron vert. Vous voyez là, même les ananas sont à 1 euro pièce. Je vais en prendre un. Tu veux ananas? C'est lourd. C'est pas du melon. Hein. Le melon, c'est 1,99 €. La semaine dernière, j'étais à 1 €, hein, le mardi dernier. Là. On en prend un. Hein. Tu veux? Tu veux du melon, bébé? Melon, oui. Oh, wow, il est lourd celui-là. Il en reste encore à la maison, un ou deux, je crois. Mmh. Bon, là, il y a du citron vert. Je vais en prendre aussi. Pourquoi tu jettes? Combien? Tu l'as pris combien, là? 4. Prends-en encore un. Ewan. Ah non, non, tu jettes pas. Hein. Tan, 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 un bouquet de fleurs. Tan, 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 tan. Il a peur de ça. Hein. Il a peur? C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, on va refaire du bissap. Il me faut de la menthe. Ça, c'est bon. Merguez du chef. Kilo à 13, ou alors on prend 2 kg de merguez maison. Oh, c'est bon ça, maison là. Ouais, ouais, c'est mieux. T'as vu, c'est plus foncé, j'ai l'impression, non? Hein? La viande hachée. On va prendre de la viande hachée aussi. Ouais. Je comprends pas pourquoi il y a deux sortes de bissap là. Tu vois, il y en a celui-là là. Ouais. Et il y a là, tu vois. J'ai l'impression que tu vois, sur la dernière fois, tu te rappelles, là c'est ça. Ouais, parce que la dernière fois, tu te rappelles quand j'avais fait. Ouais. Tiens, c'est du bissap. Mais non, c'est pas du caca, c'est du bissap. Wow. Oh. Bon, du coup, les amis, on est de retour à la maison. Je suis en train de faire revenir les oignons pour faire ma lasagne et après, je mets des carottes dedans. Oui.
On a été tout à l'heure, on a pris combien déjà? 2 kg de merguez. 2 kg de merguez et 1,9 kg de viande hachée. Ça nous a revenu à 38 € et avec tous les légumes, les machins, 58. Voilà. Donc là, je suis en train de faire ma lasagne. J'ai fait revenir les oignons. Du coup, je vais rajouter les. Je vais mettre un peu de carottes dedans parce que la dernière fois, je n'en avais pas mis tout simplement parce que je n'en avais pas. Du coup, là, comme j'en ai un peu, je vais rajouter. Voilà, je suis en train de faire revenir tranquillement la viande. Là. Après, je vais ajouter les ingrédients. Je vais mettre un peu de poivre dedans. Et ça va mon babe. Un peu de poivre, un peu de sel. Mais il va faire sa lessive. Il est tombé de lessive. Après pour ça j'ai pris la pâte panzani comme ça la panzani. Voilà, ça c'est bon. Tu peux allumer le four s'il te plaît? Merci. Un peu de sel. Bon là les amis, c'est presque fini. J'ai déjà fait ma béchamel qui est juste là. Je vais pas vous remontrer la recette en détail parce que je l'ai déjà fait. Donc là en fait ce qui change là, c'est que j'ai juste rajouté les carottes. Sinon c'est tout quoi. Amis, vu que là en fait ma pâte elle est large, du coup j'ai laissé en large comme ça. Et là j'ai coupé en deux pour refaire les coins. Et là, pareil, ici, j'ai fait le coin. Et là, je vais venir mettre la première couche de béchamel. Que je vais recouvrir et remettre ainsi de suite. Refaire la même étape. Donc là, c'est bon. Je vais venir mettre la première couche de béchamel. Encore recouvrir de pâte, voilà, hop, comme ça, voilà. Et là après je vais couper, attendez, je l'ai recouvert de pâte. Après je vais venir remettre la béchamel par dessus et après je mettrai le gruyère, les amis. C'est très simple. Et voilà les amis, c'est parti pour 35 minutes au four, selon votre four quoi. Voilà. Et c'est qui en met partout quand elle fait à manger? C'est moi. Voilà, je vais devoir tout rincer les amis. Ah, fais attention de ne pas tomber toi. Donc du coup ce matin on va refaire du... On a racheté ça là, des pommes pour refaire du jus. Je vais faire mon jus de détox. Après je vais faire du bissap pour eux. Je vais faire ça maintenant. Et au boucher on a pris... voilà, la viande. Franchement il y a la viande hachée, il y en a énormément hein, pour... Regardez. Et après, on a pris. On a eu pour 38,97 €. Doucement, Yoann. On a pris des merguez fait maison. Voilà. Et il y a mon babe. Coucou, babe d'amour. Il est où? Yeah. Ma fifi, elle est rentrée de l'école. Coucou. Ça va, fifi? Oui. On va manger de la lasagne. T'as vu, j'ai fait là. Ah ouais? Du coup, les amis, là, c'est bon. J'ai fait du. Hein? Ah, c'est ça qui sont. J'ai fait du bissap aussi. Et la lasagne, c'est déjà prêt. Tu m'avais dit quoi tout à l'heure, toi? Salade ou la mâche? Mâche. Mâche. Tu peux les sortir? Oui, c'est important, ça, de la salade. Je vais les laver, non? Je sais pas, ça me... La mâche? Ouais. Oui. Faut les laver quand même, hein, même parce que même si c'est ça, dedans. Il y en a beaucoup, hein, la vache. On va pas tout faire. Ouais. On va pas tout faire. Il y a beaucoup. Ouais. Tu fais à la moitié. Pas ce soir. Ouais. Ouais, ouais. Bon là, la mâche, moi je vais laver. Hein. Après, il y en a qui ne lavent pas forcément quand c'est avec sous le sachet, dans le sachet comme ça, mais franchement, dans ma tête. Faut que, voilà, faut que je les lave pour être comme ça, je vais pouvoir manger en paix. Là, c'est bon. Hop.
Là, je laisse l'eau là tout à l'heure, comme ça, tu sais, après manger, on va tremper les assiettes dedans. Ouais. Monsieur est en train d'étendre son linge. Hein. C'est le linge de la semaine? C'est chaud. Ça va, c'est pas comme des petits vêtements des Ewan là? Ouais. Ça va. C'est toujours chiant quand même. Quelqu'un va venir le faire. Hein. On va embaucher quelqu'un. Pas moi. Hein? On t'embauche, Elenaya, pour 10 euros pour chaque linge. Et pour chaque linge, hein. Ça veut dire que tu prends une paire de chaussettes, c'est 10 euros. Tu veux pas, tu veux toujours pas? Tellement feignante. Tu veux manger, mon bébé? Tu veux manger quoi? Tu veux manger des pâtes? Toujours des pâtes. Ewan, tu veux manger des pâtes? Tu veux pas manger la lasagne? Hein? D'accord. Tu veux un peu ça? Tu veux un peu ça? Hein? C'est pas bon? Mais si c'est bon ça, c'est de la mâche. Tu veux pas goûter? Goûte. Goûte croque. Croque. Arrête. Bon, du coup, je vais servir. Et voilà. Mamie, on a fini de manger. Par contre, la lasagne là, oh, ça cale sévère. Hein. Il nous en reste encore pas mal. Mais du coup, je vais devoir décaler le menu en fait. Normalement, ce soir, c'est censé être du riz cantonné. Mais ce soir, je vais faire une soupe. Parce que la lasagne, il nous reste beaucoup trop. On a mangé que la moitié. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien que je refasse à manger. Ce soir, je vais refaire à part. Je vais faire une soupe pour ceux qui veulent avec la petite salade. Mais le soir, franchement, manger trop lourd aussi. Moi, quand je mange trop lourd, j'ai l'impression que je dors mal. Moi ça me dérange pas, je dors toujours bien. Je sais pas vous, mais quand je mange trop lourd le soir, je dors mal. Donc voilà, bah c'est pas grave, on va décaler le riz cantonné. De toute façon, c'est pas perdu, on a tous les ingrédients déjà. Donc c'est bien. Là, Lily et Loane, ils sont en train de manger. Donc voilà, franchement, on mange pas beaucoup. Hein. Après, c'est la lasagne, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Tu danses, mon bébé? Là, on est en vigilance tempête, là. Ouais. Et du coup, Loane, il n'a pas d'entraînement sur le terrain habituel. Il pleut encore. Il faut faire un five, là, vous savez, dans les petits terrains. Ah, tu vas leur filmer un peu? Bah, vite fait, de loin. Ça va bien, oui. À l'intérieur. Hein. Ça va comme chaussure, là, Loane, pour l'intérieur? Hein? Pour l'intérieur, ça va comme chaussure? Il est sur la brise. Ah oui. Ah, les amis, j'ai fait du vin. J'ai fait tout ça en vin. Ça. Et après, j'ai ça. Parce que Jérémy, il aime bien le vin. Ah, bien sûr. Pour le moment, il est encore chaud le vin. Donc, il est bien rouge. Hein. J'ai bien reçu mon vin. Hein. Là, les amis, c'est du sap. Là, j'attends un petit peu. Et après, je les mets au frigo. Congé. Voilà que je nettoie tout ça après. Allez, c'est parti. Mami, petite pause pour ce monsieur. Il pleut de fou là. Nos petits cafés, la bougie allumée, bébé Ewan à la sieste. L'avantage de la pause, c'est que c'est moi qui décide quand je vais reprendre. Voilà. Et du coup, on va se regarder. Ça s'appelle comment avec Daryl là? On a fini The Walking Dead. Vraiment, franchement, j'ai fait un cauchemar hier. Non, il y avait des zombies et tout devant la porte et tout, non. Bon, là, on a fini The Walking Dead. Ah, c'est en bas, Daryl Dixon. Daryl Dixon. Bah tout ouais, en bas. Ils ne sont pas fait chier. Hein, du coup, à suivre, c'est celui-là, Daryl Dixon, comme ça. Voilà. C'est sur Amazon Prime, par contre. C'est sur Paramount Plus, même, c'est un abonnement en plus. Ça. Ouais. Et franchement, il y a de la pub, apparemment, c'est ça? Bah, peut-être pas sur ça, du coup, parce que c'est un abonnement en plus de Prime. Ouais. Donc, il n'y aura pas de pub. Ouais. Et puis après, on va enchaîner avec Michonne. Non, après c'est Negan et Maggie. Ouais. Et après c'est Michonne et Eric. Ce qui est bien, c'est que franchement, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Hein. Pas beaucoup d'épisodes. Du coup, là, les amis, je vous reprends. On m'a demandé de montrer un petit peu
le menu de la semaine, du coup, que les enfants, ils ont composé, quoi. Donc, on a commencé le menu, bah, c'était hier. Donc, lundi, tout ça, il n'y avait rien du tout. Là, le lundi, mardi midi, les enfants, ils ont choisi le gnocchi. Le soir, c'était pâtes, poisson, plus le citron pour mettre avec le poisson. Mercredi, bah, aujourd'hui, c'était la lasagne. Ce soir, c'était riz cantonais, mais il reste beaucoup de lasagne de ce midi. Et demain midi, c'est le poêle de légumes. Demain soir, hachis parmentier et salade. Vendredi, c'est pâte bolo. Vendredi midi, c'est pâte bolo. Vendredi soir, bah, c'est papa qui régale. Hein. C'est Jamy qui va faire le repas. Comme ça, vous aurez une vidéo vendredi, samedi. Et là, avec, là, le samedi, ça sera pâte blonde poulet. On priorise ça parce que le jour même, Loan, il a entraînement. Donc, on mange ça avec lui pour l'encourager. Bref, et le soir, c'est patatos plus merguez. Le dimanche midi, c'est épinards et steak. Je vais voir si on peut pas échanger. Parce que manger la pizza le soir, ça m'arrange pas trop. Franchement, là, je vous cache pas. J'aimerais bien qu'on inverse, en fait. Que ce soit les pizzas le midi et le soir épinards. On verra. Je vais voir avec les enfants. Donc là, vraiment, c'est le menu que les enfants, eux, ils ont choisi. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr ils vont manger. Parce que nous, si on fait nos menus à nous, je vais avoir des chichis. Donc là, vraiment, c'est ce que les enfants, eux, ils aiment. Et nous, bah, on fait avec, quoi. Comme les gnocchis avec Jérémy, on n'aime pas tellement ça. Quand c'est comme ça, nous, on se fait un truc à côté. Mais sinon, ça ne nous dérange pas non plus de manger ça. Donc voilà un petit peu le menu. Voilà, franchement, c'est des trucs simples, hein, pas de prise de tête. Comme ça, au moins, on est sûr, les enfants vont manger. Voilà, voilà. On a profité aussi, j'ai oublié de vous dire, sur le côté, là, c'est la vaisselle. En fait, nous, tous les midis, c'est Jérémy et moi, on se relie pour faire la vaisselle. Mais par contre, le soir, c'est les enfants qui font la vaisselle après manger. Là, en fait, le lundi soir, c'est Loan qui fait la vaisselle parce qu'il a pas d'entraînement. Hier soir, c'était les Naya. Ce soir, ça va être Iliana. Demain, ça va être les Naya. Loan, vendredi, parce que tout simplement parce qu'il n'a pas d'entraînement. Le samedi... J'en peux plus. Le samedi, c'est Lily. Et là, je comprends pas. Là, il y a écrit Ewan. Ewan, il va faire la vaisselle avec son petit corps, là. Non, mais vraiment. Quand j'ai les yeux tournés, regardez, ça donne quoi. Il a déplacé ma table. Il est parti chercher le balai. Je l'entendais plus tranquillement, mais il est en train de me nettoyer le tapis. Remets bien le tapis, bébé, s'il te plaît. Merci. Tu es en train de faire le ménage? Oh là là. Bon, là, je suis en train de... Je vais faire une soupe ce soir, en fait, pour accompagner, parce que... en fait, il reste... Il reste beaucoup. On a mangé à la moitié. Oui, mon bébé. C'est ton livre qu'on a acheté hier. Il reste pas mal de lasagne que j'ai fait à midi. Du coup, je vais faire une petite soupe pour accompagner la lasagne, quoi. Normalement, ce soir, c'est censé être, comme je disais tout à l'heure, hein, le riz contenu. Mais là, pour le coup... voilà, on va finir déjà ça. On va pas commencer à stocker. Donc voilà, parce que souvent quand je stocke après, parce que j'oublie. Donc après, ça reste quelques jours et c'est plus bon. Donc là, on va finir déjà ça ce soir. Avec la soupe, c'est très bien. Et la soupe, s'il y a encore, bah, on finira demain midi. Petit corps. Petit corps. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai dit petit corps. J'ai pas dit ce mot que tu as dit, toi. Là, ce que tu as dit, c'est pas ça ressemble à pas, ça ressemble pas du tout à ce que moi j'ai dit. Hein? Petit corps. Petit corps et. Là, t'as pris un goûter? Oui. Je t'ai pas vu goûter. Ah ouais? Bah oui. La douche là, c'est quand? Oui, là, je vais aller la faire. Ok. Ok. Est-ce qu'Ewan il va à la douche? En ce moment, pour doucher Ewan, c'est la guerre. Hein? Donc. C'est la guerre, c'est la guerre. Je vous montre encore la recette de ma petite soupe là, que je vais faire. Amis, je vous montre encore une fois la recette. Hein? Vous faites revenir d'abord les oignons. Si j'allume pas le feu, ça va pas le faire. Ça, il est où mon truc pour allumer le feu là? Il est où ça?
Vous avez l'air au feu avant quand même. Je l'ai fait de ma grosse marmite là. C'est mieux après pour mixer le tout. Et Ewan. Vous faites revenir vos oignons avant. Ewan, ça, c'est ça, je ne vais pas te cogner la tête, s'il te plaît. Avec l'ail en même temps. Si jamais il y en a qui cherchent presse ail comme ça, là, vous pouvez le trouver chez Action. À moins de 2 euros, je crois. C'est trop facile, ça. Arrête, Ewan, s'il te plaît. Sors de là, après tu vas te cogner. Les amis, vous allez venir rajouter tout le pomme de terre et les potirons dedans. Vous laissez comme ça pendant 5 minutes. Vous tournez et après vous laissez pendant 5 minutes. Les 5 minutes sont passées, vous allez venir ajouter le feuille de laurier comme ça. Hein. Voilà. Feuille de laurier. Après, vous allez mettre une cuillère à café de curry. Hop. Un peu de muscade. Après vous allez mettre un bouillon comme ça hein. C'est un bouillon de poule que je mets, celui-là, vous le mettez dedans. Hop. Un peu de sel hein. Pas beaucoup parce que comme j'ai déjà mis le bouillon, ça sert à rien, un peu de sel. Et après vous allez venir le recouvrir de l'eau en fait, pas beaucoup d'eau, on est vraiment voilà, pas beaucoup. Je vais en mettre encore un petit peu. Voilà, juste ça. Et puis après, vous allez le laisser couvrir, le laisser cuire 30 minutes à feu doux. Feu normal, comme vous voulez. Donc voilà. Alors les amis, du coup là, le potiron, ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est potiron. Il y en a qui disent que c'est des potirons. Il y en a qui disent que c'est pas des potirons. Bref, en tout cas, c'est cuit. Les pommes de terre sont bien cuites aussi. Du coup, je vais venir mélanger le tout. Le mixer. Voilà, moi, j'ai celui-là que j'ai acheté sur... c'était sur Amazon à 29 euros. C'est cette marque-là. Voilà. Franchement, il mixait très bien. Du coup, les amis, regardez comment c'est bien épais comme ça, là, pour ce soir. Là, je l'ai fait plus épais que d'habitude, que la dernière fois. Là. Donc là, ça va être très bien. Moi, je pense que j'ai mangé que ça. Hein. Ça va être très bien pour le soir. Donc voilà, les amis. Je vais clôturer ce vlog ici. Je disais que j'allais clôturer ce vlog. Ah, je suis sortie avec le potiron. Ouais, la soupe. Donc du coup les amis, je clôture ce vlog ici. Le mot du jour, ça serait quoi? Tu peux choisir. Ouais. Non. Pourquoi? Muscade. Pour ceux qui veulent. Je sais pas, papa. Muscade. Il a des délires des fois. Bah je sais pas, c'est là, c'est écrit, c'était comme ça. C'est donc ça. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez le mot du jour muscade. C'est bon la muscade. Sur ce, moi je veux clôturer ce vlog ici. N'hésitez pas à commenter, ouais, à manger, liker, à vous abonner. Et on se dit à demain. Bisous. Bye. Il a pété sa crise, il vient de se calmer. Tu dis à demain. Mouah, bye bye. On dit papa le. Papa, je. Je t'ai. Pourquoi tu bouges ton nez? Je t'ai. À demain, bye bye. Tu dis à bye bye. Bye bye.